vous montre comment faire pour enlever le voyant de service. Donc, il faut sortir du menu, aller sur le menu trajet, vous descendez jusqu'à ce que vous voyez ce menu-là avec le kilométrage. Une fois que vous êtes là, vous allez appuyer sur ce bouton-là tout en haut, 1 seconde et demie, 2 secondes. En restant appuyé, vous allez appuyer sur le bouton central du pavé tactile là. Je vais vous montrer. 1, 2, et j'appuie une fois. Et du coup, il y a ce menu-là qui s'affiche. Ensuite, une fois que vous avez ce menu-là, vous descendez. Vous choisissez le menu qui vous intéresse pour enlever la vidange. Donc c'est Assist Plus. Pour pouvoir accéder au menu, il faut appuyer sur le bouton contact. Vous appuyez une fois. Et du coup, il y a ça qui se met. Vous pouvez voir les données de la maintenance pour voir ce qui ne va pas dans la voiture, ce qui va. Vous allez sur service complet, vous choisissez la vidange que vous voulez faire. Moi, je vais pas le faire, sinon ce sera pas bon. Mais vous restez appuyé sur la vidange que vous voulez faire. Vous restez appuyé sur ce bouton-là. Normalement, c'est bon, ça va désactiver. Ensuite, vous éteignez le moteur pour ressortir du menu, en fait. Voilà, merci.